the world's ending. Ouais. At least, that's what everyone's saying. Oh putain. The sky, I don't like it. Ready to fire, sir. Welcome to the New World Order. Tell me you can't hear that. Planet runs out of energy. It and everything on it dies. We can overcome our fate. Am I the same as these monsters? Am I even human? Okay, we're looking for Sephiroth. Think you can find him? Sephiroth. You see, so you heeded the call too, did you? What are you talking about? As you can see, your brothers down there are having a little get together. You're our best chance of finding Sephiroth. Yeah, I ask because I suspect there's soldiers suffering from cellular degradation. Do not be deceived. You know the truth. Trust in me. Sephiroth! Come on! Oh là là, trop bien gagné! On me! Quoi? Oh, c'est un flashback! Tu as joué flashback? Boudin! Ok, la danse, bonjour. Ça, ça sent le bel sauceur. Ah, génial! Excuse me, could you look after my friend? Just for a bit. Tutelary creatures, set only to appear when the planet is in grave danger. Who dares disturb my slumber? It's upon us. The reunion. When worlds merge. I'm waiting, clown. Oh putain, ça fait plaisir. Ah, ça fait super plaisir. Le 29 février. Sur deux disques. Pour mon anniversaire, c'est parfait. Bon, quelques jours après, mais Twin Pack Reorders Pack, quoi c'est ça? We hope you enjoyed that new look at Final Fantasy VII Rebirth. T'as pris It's coming to PlayStation 5 on February 29th. And that's all for State of Play. Craqué. Thanks for watching, and we'll see you next time. Il y a quoi dans le collector? Bon, bah c'était Ah, il y a le trailer de. Ok, le trailer. Belle concurrence. 380 euros. Oh là là, mais. Il y a quoi dans le collector? On s'en fout, on est Spider-Man. Bon, voilà, quand même, mais. Ok, attends, je vais. Prends la soirée. Alors, collector. Quand la pochette est belle. Et deuxième collector. Et alors. Alors attends, choisi PS5 et collector édition. Alors attends, PS5, ok. Collector édition, ok, une image, ouais, parfait. Sinon, on peut zoomer sur l'image là, s'il vous plaît. Putain, un vrai zoom, ça serait sympa. On va regarder ça, on va passer là-dessus. On va remettre de la musique. Vite. Il y a un steelbook. Il
Bah oui, oui. Bon, il y a Steelbook, il y a le jeu. Avec une jaquette réversible. Ok, il y a une figurine de Sephiroth. Ok, la grosse figurine de Sephiroth. Il y a la mini bande son. Mini bande son. C'est-à-dire quoi ça? Ouais, ouais, le Steelbook est cool. Et il y a un artbook. Et il y a du contenu numérique avec matériel d'invocation, peau magique. Ouh! Bracelet orchidée, accessoires, rat-coup, cycle de la vie, matériel d'invocation et 3 mog. Et une belle figurine en PVC de Sephiroth. Oui, je pense que Zach a une sacrée importance. Ouais, j'adore le, avec le changement de couleur, avec le ciel rouge en plein milieu, elle est vraiment cool. Bah écoute, je... Moi, le collector me fait pas plus rêver que ça, malheureusement. Je te le laisse. J'ai tendance à me méfier en plus de ce genre de figurine. Mais elle est cool. Mais elle est cool. Je ne saurais pas où la foutre d'ailleurs. Mais ouais, écoute, elle est cool. Je passe mon tour, je prendrai le jeu normal. Alors, je vais pas tester le truc parce qu'il faudrait que j'aille chercher un câble HDMI dans le truc. Là, j'ai pas envie de m'emmerder. Donc, on va se lancer sur un peu sur Zelda. On va finir la mission. Que j'ai commencé solo là. Que je me suis laissé un peu emporté par la foule qui te mène et t'entraîne. Pas grave, alors le petit débrancher la Xbox, c'est ça qui m'emmerde en fait à chaque fois. Ok, je vais voir. Tu essaies des figurines de belles factures, j'imagine. Tant mieux, hein. Enfin, il y a intérêt, hein, j'espère, mais. Il va vraiment falloir que je voie à faire. Oh, ça, c'est la Play, ça. C'est pas la Switch. Ok, donc ça va, ouais. Je pense que ça va être une belle figurine. Tant mieux. Ça doit être la Switch. Ouais, ça doit être la Switch. Ok. Tac. Ok, alors le panier où est mon petit bot. Je vais enlever un peu la Switch. Ok, on va repasser sur la screen design, on met la manette. Et... Ok. Alors, on va pouvoir fermer ça. Oui. C'est le truc, on va changer. Ouais, 170 balles, ouais, vaut mieux. On va changer de source. On va juste lancer le jeu. Ok. On va. Hop, mini, on va se lancer. Alors, Tu vois, moi j'utilise projecteur, fenêtre et source. Comme ça, je prends ma source de mon jeu. Et je me la mets. Là. Alors, et donc, en début de live tout à l'heure, j'ai maté le trailer, j'ai annoncé... Je vais faire d'ici, ok, on va se refaire FF7 Remake DLC, je vais refaire Crisis Core, cette fois la version royale PSP, on se fera Dark Souls Cerberus, et voir Crisis, techniquement, c'est faisable. Oui, avec un émulateur, au pire, avec un émulateur Android, c'est faisable. Vous voyez le jeu, j'ai juste à couper la musique, à mettre le chat... Là...
Ouais, malheureusement, je fais pas assez de live par semaine pour qu'on puisse faire ça. Mais ça aurait été cool. Alors attends, oui, il faut que je change les infos du stream. C'est sûr. Alors, c'est là. Tears of the Kingdom. Ok, j'ai pas d'idée pour le nom. Un petit village. Bah ouais, mais t'as amplement raison. Ok, voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis arrêté là. On va couper la musique. Et Link qui y va tout seul. Donc on est là, on a le masque, on a fait l'île du dragon et on est descendu. Et il faut que je passe. Ok. J'ai fait les trois quarts de la mission, je pense. Ok, un ascenseur. Ouais. C'est bien de commencer pile poil avec une cinématique. Et je commence à entendre des voix moi aussi. Oh, oui. Protecteur de Zelda. C'est moi le cinquième sage ? Hâte-toi. Il n'y a pas un instant à perdre. Nous devons nous rencontrer. Ok. On va dans les profondeurs là. Ok, on est là à la fabrique des golems. Ok, on va se faire le robot. D'accord, allez, j'ai compris. J'ai compris. Qu'il y aura au moins 4 missions, 2 ou 4 missions pour faire les jambes et les bras. Non. Mais non. Mais j'ai dit lance, il dit lancer. Ah oui. Comment je le mets en place ? Je suis con ? Un truc à tourner ? Ah oui, je suis con, oui. Eh oh, ça va. Hein. Oui, ça va, hein. Je suis con. Voilà, c'est vendredi soir. Hein. Ok, alors il faut lui faire les bras et les jambes. Ça va lui faire les bras. Link, protecteur de Zelda. Ok. Je m'appelle Minero. Oui. Je suis le sage de l'esprit. Ok, Minero. Tu es venu jusqu'à moi. Et je peux enfin te parler. Mais je ne suis plus qu'un esprit aujourd'hui. Tant que je n'aurai pas d'enveloppe corporelle, et tout en plein live. Je ne pourrai pas vraiment me présenter à toi.
4 ateliers de fabrication nous entourent. Ok, ça c'est pas très loin. C'est la sœur de Raoroué. J'aimerais que tu les explores afin de me constituer un corps qui abritera mon esprit. Ok. On en fait un robot de Minoru. Me feras-tu cette faveur, Link, protecteur de Zelda? Tu peux m'appeler Link. Eh ben oui, je vais te faire cette faveur. Allez. Avec ma tenue qui ne veut rien dire. Comment on va grimper là-haut là ? J'ai bien fait de me mettre sur la plus chiante dès le départ. Hein. Alors. Allez, grimpe. La plateforme est là-haut. On va se mettre là. On va se faire un petit... Alors... Ok, on va passer par là, et on va se passer au travers du plafond. Je vais utiliser les pouvoirs, hein, n'est-ce pas? Oui, oui, si tu veux. Alors... Ok, on est plus haut, tout va bien. Je vais pouvoir planer. Jeanne, Jeanne, au secours! Hop là. Atelier de la jambe droite. J'espère qu'il n'y a pas l'atelier de la couille gauche quand même, mais... Ouais, ça aurait été trop simple. Est-ce qu'on a des ventilos par là ou... Ça va pas passer par là. Hmm.
Tac. Je redescends que je récupère des ventilos. Ok, alors, est-ce que ça va être suffisant si j'en colle qu'un? Ah putain, il y en a plusieurs. Ah. Oh, j'ai réussi à passer. Pourquoi j'aurais pu pas saisir ? Alors. Hop, on prend l'arc. J'ai déjà passé une étape. Que si. Est-ce qu'il est passé? Il est pas passé. Allez. Ah.
Ah. Attends, et si... Et si je fais ça? Mais merde! Je suis là. Je suis pas bon. Salut Argol, merci pour le raid. Salut, comment ça va? J'essaie d'y foutre un deuxième ventilo peut-être. Et salut! Comment ça va les copains? Hop là! C'est con, vous êtes arrivés à pile poil à la fin, pas longtemps après. Le tirage au sort, mais j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne soirée? Depuis quelle heure il est? Oui, pas loin de minuit chez vous. Comment ça va? Salut Lady Dark, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, il fait frais, là on a une petite journée à 18 degrés. Comme ça, pas trop chaud, les fenêtres qui laissent transpirer l'air. On est bien. Ouais, minuit passé, ouais. Vous étiez sur quoi? J'ai vu que vous étiez sur l'UFF là, non? Moi je suis en train de galérer comme un con sur celle-là. Est-ce qu'il faudrait pas que... Hop, non, ça marche pas comme ça. FFTB 0. Mourez de chaud. Oh, je suis désolé. J'en suis désolé. Pourquoi je ne peux plus saisir ce truc? Bah, tu l'as gagné la tortue. Tu l'as gagné fair play. On lui a fait. Calamandris a eu la chance de gagner ce soir cette magnifique tortue. Et si vous restez abonné à la chaîne, je pourrais vous en faire gagner d'autres un peu plus tard si vous voulez. 35 à 22h. Oh là là, 35 à 22h, mais c'est une honte. Si je fais ça, et que je le mets un peu plus loin... Non, tu l'as gagné fair play, Calamandris, tu la mérites. Est-ce que... Oh, c'est passé.
Eh ben voilà, vous m'avez porté chance. Vous m'avez porté chance, j'ai réussi l'énigme. Oui, bah oui, on était cinq, Calmandris a été le seul à participer. Tant pis pour les autres, j'avais prévenu tout le monde. C'est ça? Tu n'as pas à rougir. Tu n'as absolument pas à rougir de ta victoire. Moi je suis en train de foutre le feu partout. Oh putain, il y a d'autres énigmes. Faut ça à l'arrache dessus. Ok, tu veux pas t'envoler? Ben en fait, je stream toujours le vendredi soir. Oui, en fin d'année, un peu avant Noël, je vous fais gagner une Dreamcast. Je stream toujours le vendredi soir et dimanche matin. Enfin, en tout cas, vendredi soir et dimanche matin au Canada, mais c'est malheureusement les deux seuls créneaux que j'ai pour le moment. Ok, alors attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Dimanche 16h pour les François, tout à fait. Merci pour ces précisions, je me perds moi-même avec le... Décalage horaire, il était celui-là. Eh oui, 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 non, mais attends, y a aucun problème. Hein. Tout le monde fait comme il peut avec le temps qu'il a disponible. Hein. On a tous une vie. Ok. On fait tous comme on peut. Eh ben écoute, elle va très bien, elle est au travail, elle gagne son pain quotidien. Et donc pour que tu me diras, elle doit être à la piscine à cette heure-ci. Elle doit être à la piscine. On va mettre ça là. Et bah ça va bien, elle a repris le... Enfin elle a commencé à bosser avec moi. Voilà, elle est passée en CDI là où je bosse. Et je lui ferai un gros bisou de votre part, y'a aucun problème. Ah, attends, faut que j'aille où moi? Faut que j'aille en bas. Et les pigeons. Et Dieu sait que des pigeons, il y en a sur Internet. Tu veux pas avancer? Tu veux pas avancer l'avion? Ok, tournage double. Eh bien écoute, moi, comme je disais en début de live, j'ai commencé, j'ai été casté pour une pièce de théâtre. Donc, si je mets le ventilo aussi, c'est mal. Et donc, j'ai commencé les répétitions et je serai en représentation au mois d'avril à la Comédie de Montréal. Ah oh putain, il part. Il est où? Il est parti où le truc? Allô? Il est parti où le truc? J'ai perdu la jambe gauche! Bon, on n'y a pas pensé encore. On n'y a pas pensé encore. Il y a encore beaucoup de choses à voir. C'est pas pour tout de suite, mais après on sera en tournée en Québec. Puis après on verra si la pièce fonctionne, quoi. Mais j'ai perdu la jambe droite. Merde.
Bon, on y retourne, hein. À moins que... Attends. Et si je fais... si je fais un rewind. Il faudrait que je trouve le truc, déjà. Bah écoute, merci. En tout cas, la pièce est excellente. On a fait la première lecture mercredi. Et la pièce est vraiment super drôle. Rien qu'en la lisant, mais j'étais pissé de rire. Bon, bah écoute, on va faire cette jambe-là. Ouais, on va prendre de la hauteur. J'espère qu'elle a pas rebooté, qu'elle est repartie là-bas. Alors. Alors attends, on va vous souhaiter belle aventure qui... Bah ça pourrait être cool. Alors la pièce a déjà été jouée en France par une comédie, par une troupe qui s'appelle les Faux British, je crois. Et ils ont gagné un Molière d'ailleurs. Et bon, c'est une version adaptée de cette pièce là. C'est vraiment très drôle. Ouais. J'ai perdu une jambe. T'as la volée où comme ça ce truc? Mais merci de passer, en tout cas des gros bisous, passez une bonne nuit. On va remonter, des fois qu'elle soit... Attends, il y a un temple là. Il y a moyen de sauter, ouais, je vais me téléporter là. Je vois si ça n'a pas été... si le truc est pas reparti à la case départ. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Merci pour le raid encore. Et puis, bienvenue les nouveaux. Installez-vous. Je suis content de vous voir. Comme vous voyez, il y a beaucoup de skills ici. Et alors, on est champion du monde de Zelda, toute catégorie. Champion interdépartemental de Verali. Mais que sur pelouse. De toute manière, on va prendre de la hauteur, comme ça. Mais tu te calmes avec la flèche électrique, toi? Bon. Alors, on disait donc. Ok, va te reposer, merci d'être passé en tout cas. Ah bah c'est cool, bah le replay sera disponible... début de semaine sur YouTube. Au pire des cas. Bonne nuit, des gros bisous. Alors, il est où ce truc? Il est où lui? Ah, et voilà, il était bien retourné à son point de départ.
Après, est-ce que je m'emmerde à voler, à planer en fait, alors que je pourrais juste le faire descendre? Ouais, c'est quoi, on va faire ça, on va se reprendre le planeur s'il y en a encore un. Ouais, il a réapparu. Hop là. Ok. Alors on disait donc. C'est quoi, on va se le mettre à plat. Que si je mets comme ça? Je suis pas assez lourd pour le faire descendre? Ok. Ça va être devant. Alors. Ouais. Non, attends. Non, on veut pas descendre? Mais non, regarde, ça marche. Il part où ce con? Oh putain! Ok. Je vais peut-être sortir un gouvernail, moi. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Quelqu'un aurait pu m'y faire penser. Allez, bonne nuit. Est-ce qu'il est parti à perpète ou il s'est un peu arrêté quand même? Où ce con? Là, ils ont la tendance à se téléporter en 2 secondes. Bon. Attends, j'étais censé être au lit. Pensez à toi. Repose-toi bien, merci en tout cas. Ouais, mais la nullité peut être hypnotisante. Allez, troisième essai. Alors. Oh, on est reparti. Allez, on avance. Bien sûr, j'ai bouffé toute mon endurance. Allez, hop. On est dans le mode notre épée, ça me gonfle de lâcher des flammes à chaque fois là. Dépêche.
Allez, on y est presque. Pour la troisième fois. Ouais, mais que... C'est la même à chaque fois. Voilà, on va chercher encore un avion. Ok. Ah mais il y a un guidon en plus. Oh, je suis un teubé. Continue à glisser. Tu restes là. Il y en a un guidon en plus. Ne faites pas ça à la maison, les enfants. Je suis un professionnel. Y arriver hein. Toujours que la troisième fois c'est la bonne. Allez, on pique. Allez hop. Montre comment on le fout ce truc. Ah, ok. Ok, allez, première jambe, plus que trois membres. La première pièce est en place. Apporte encore les trois autres, je te prie. Merci. Allez, on va aller là-bas. Planer, ça sera peut-être plus rapide. Coucou, je vais passer. Je suis en haut. Je peux aller un peu plus haut. Ça m'aidera à planer. Donc on va faire ceux qui sont en haut d'abord. Hein. Et en plus, il y a une âme là. Allez hop. Bon, il y a des escaliers, mais bon. Pourquoi faire simple ? C'est bon, on est passé. On est bien. On est bien, Tintin. L'atelier du bras droit.
Bim. Ah voilà, madame sort de la piscine. Alors attendez, hop. Alors comment ça marche? Ok. Alors j'imagine que si je fous ça... Alors attends, ça... Non, merde. Voilà, ça avance tout seul. Ok. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on a par là? Ça s'est pété. J'ai une petite idée. Alors... Si j'en mets... Ça se fait un peu bas. Attends, si je mets... Je le mets comme ça. Ouais, et il en fait une troisième. Si j'en mets une troisième comme ça, ça devrait traverser. Yes. Y'a rien là? Ok, y'a rien là. Ah si, y'a un coffre. Ah. Alors entre les pop-up, t'es gentil, tu te casses. Alors, hop. Donc on est là, le truc est passé.
Ok. Alors, attends, on va faire ça sur un véhicule. Guidon par là. Ok. Et un guidon par là. Il y a un peu de sonium là. Une orbe d'énergie, pardon, excuse-moi. Ils ont pensé à tout, ils sont sympas. Allez, parti. Alors, bras gauche, on a dit. Ok, bras gauche. C'est fait. Tu as apporté une autre pièce. Il en reste encore deux. AP pièce. Il en reste encore deux. Ok. Il en reste encore deux. Celui-là. Oh, je suis occupé, les gars. Et jambe gauche. Allez, boum. Ouais, j'ai compris. Alors, faut utiliser fusée dans celui-là. Ok. Est-ce que l'angle sera bon pour se téléporter? Ah mais oui, je peux l'incliner. Ok.
Non. Un peu plus bas. Ça devrait être pas trop mal, ça. On a vu un guidon là-bas. Ça va être pas trop mal là, si je me mets là. Ouais. Franchement, pile poil, non? Je suis dans la matrice. Ok, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau. Ça. Pas un peu tout seul, toi. Tu bouges pas, tu pars pas sans moi. Hein. Allez, c'est parti. Oh putain. Ah. Ok, on a dit c'était la jambe droite. Ok. Ok, ah bah ça se passe. J'adore comme un plan se découle. J'adore comme un plan se déroule sans accroc. Le corps qui accueillera mon esprit est presque prêt. Et le dernier qui brille, il est là-bas. Calme les arbres. Alors, on avance. Atelier du bras droit. Ah.
alors attends. Ok, oui, blabla. Ok. Ok, c'est resté coincé à où ? Ça va, c'est sympa. Ah bah on va prendre les roues. Est-ce que ça se pète la gueule si j'enlève toutes les roues ? Ici. Avec trois roues. Il y a que trois roues. Bon bah après tout pourquoi pas. Alors. Ça aurait fonctionné avec trois roues aussi. Et là, ça marche. Trois roues. Au fond. Et en plus j'ai la quatrième roquet là, ok. Alors. Ça, ça va pas passer. C'est comme ça.
Ok. Alors, hop. On le remettra après ça là. Mais que je suis con moi. Ok. C'est lequel qui est collé du mauvais côté? Ah, lui il est collé par les deux joints. Ça passe là? Non, ça passe pas. Oh. Et si je m'étais fourvoyé? Il faudrait que je le mette. Non. Là au bord. Bord. Ah mais j'ai plus de place pour moi en fait. C'est comme ça, hein. À moins ce que...
Oui, mon chat. Ça passera pas. Ah, mais ça peut passer comme ça. Jamais, mais on va essayer. Non, ça marche pas. Oh, j'ai une idée. Ah, allez par là. Oui, oui, mon chat. Allez, fous la paix à un moment. Fous la paix à mon passé, s'il te plaît. Oui, mon chat. Si je fais ça... On va essayer, pas garanti. Comme ça, est-ce que ça marcherait?
Alors. Allez. Oh putain, oh putain. Allez, avance un peu. Avance juste un petit peu. Allez. Allez, avance. Allez, tu peux aller jusqu'au bout. Tu peux le faire. Que je vais réussir à traverser. Ouais, non, non. Ok. On passera pas. Alors.
Je ne sais pas comment faire. Caméra. Ouh. Ça va passer. Allez. Récapitulatif mental, on s'en fout, les casse-toi, t'as la notif. Allez, les pop-up là, barre-toi. Ok. En fait, j'aurais pu faire comme ça. J'aurais pu faire comme ça et arrêter de m'emmerder. Ok. On est passé. On est passé. Je sais pas comment, mais on est passé. En fait, je voulais ouvrir un coffre. Il est où mon coffre? Là-bas. Ma
curiosité de me perdre. Alors. Je ne suis qu'un vilain curieux. Ok. On va virer. Je sais pas si ça flotte. Hein. Allez, décroche-toi. Draguer les amarres. Mais oui, mon chat. Hihi. Mais oui, mon chat, viens me parler à calmer. Sympa. Ça, c'était la discrétion assurée. Ok, allez. C'est laborieux, n'est-ce pas? Eh ben voilà! Bon, on va finir ça puis on va s'arrêter. C'est un balai? Propre méca. Je te remercie, Link. Il me reste une dernière faveur à te demander. Va péter la gueule à Ganondorf. Il s'agit de ma pierre occulte de l'esprit. Ok. Elle se trouve à cet endroit. Conduis-moi là-bas, je te prie. Le trajet sera très périlleux. Heureusement, le golem que tu m'as constitué renferme une puissance cachée. Tu le découvriras de toi-même en chemin. Ok.
Ok. Ok. Je t'en prie. Conduis-moi jusqu'à ma pierre occulte. Ok, je peux chevaucher le golem. J'imagine que là, je peux utiliser... Voilà. Ah, vous pouvez attaquer les meilleurs objets, ok. Ok. Ça je voulais faire, c'est pas grave. Bon, ça ira très bien. Et quand j'arrête de bouger, il se recharge. Ça va ? Ok. C'est X attaqué. Ok. Ok, et alors si je vais sur la map, est-ce que je vais dans la bonne direction? C'est par là-bas. Il dépend une attaque de dingue hein. Allez crève. Attaché, pas attaqué.
Est-ce qu'on a des trucs sympas à récupérer là? Oui. Ok. Ok, si je mets un. Alors, ça, on va faire à gauche. Faire ça. Ok, j'imagine que. Je vais plus vite. Ok. Ok. Merde. Hop. Ok. Ça marche aussi. Ah, valo ça. Alors, manger un bout. Ok. Ok, alors. Ok, c'est par là. Ça marche bien ça. Voilà, ça va, j'ai pu. Ok. Ok, encore un.
Allez, j'ai crevé, oui. D'ailleurs. Allez, crève. C'est bon. Alors, on recharge un peu. Ah, j'ai perdu mon canon. Ok. Bon, ouais, on avance. J'ai pas que ça à foutre. Mignon, hein, mais alors, ok, alors. Bon, comment je descends ? Ah mais j'ai déjà activé, je suis con. C'est pas grave. Moi je recharge. J'en ai... Encore du chemin. Oh putain, attends. Oh, t'es gentil, mais j'ai pas que ça à foutre, hein. Pressé. Et puis, il y a plus rapide que moi. Ok. Ok, là-bas où. Ok. Plein de trucs. On va y arriver à maîtriser ce robot. Charge un peu.
Allez. Donc ça sent le goulet max, ça, non? Plein de soya. Ok. Bon. J'ai plus d'énergie. Et si je prenais un peu une orbe de sonium pour me faire mettre un peu à fond là pendant un certain temps. On a quelques-unes là. Derrière. Ah, l'avarie, c'est vraiment quelque chose. Allez. Presque. Oh, dommage. Alors attends, hop. Pierre occulte. Ok. Si je savais vider, ce serait pas mal aussi. Occupez-vous-en un peu là. Alors je crois qu'il faut utiliser les fusées, hein.
Allez. Allez, deux. Allez, je vais pouvoir, si je fais là. Ah, c'est bon ça. Temple de l'esprit. On a eu le temps de faire ça avant de s'arrêter. Oui, mon chat. Et nous y voilà. Oui, mon chat, viens. À notre ascenseur. Viens, Salem. Oh, énorme. Pourquoi énorme? Oh putain, ça sent le boss. Ça sent le boss. Putain. C'est un golem que j'avais construit autrefois. Qui est corrompu. Des miasmes. Il est probablement possédé par un monstre. On ne peut pas laisser sévir un golem au service du roi démon. Ouais, mais tout le monde peut pas sentir, donc... Combat avec moi, je te prie. Allons-y. Nous devons absolument arrêter ce combat. Aïe. Oh putain. J'ai pas un truc anti, hein, mon petit. Ça fait mal. Il est dangereux de toucher la barrière qui nous entoure. Fais attention. Ok. Ok. Vraiment très robuste. Mais on devrait pouvoir l'éjecter. Ah, ok. On dirait que ça fonctionne. Allez. Ne pourrait-on pas mettre à profit la barrière de nos enfants? Oui, mais oui, mais... J'ai plus rien à bouffer. Ah.
Ouais. Ok. Allez. Ok, deuxième forme, enfin deuxième phase. Ok, des bras en plus, génial. Il a activé ses bras de secours. Sois prudent. Nous ne tiendrons pas à ce rythme-là. Ne peut-on pas aussi attaquer de loin? Je sais pas, il y a des armes? Ouais, il y a un canon là. Ah, attends. Allez, crève, pourriture communiste. Ouf. Ah ouais. Eh bien, one shot. Je suis bloqué à un boss, là. J'arrive. Allez, on va se le faire. On dirait que ça a fonctionné. Allez, ça fonctionne. Ok, alors. Allez. Il est dangereux de toucher la barrière qui nous entoure. Fais attention. Ne pourrais-tu pas mettre à profit la barrière que nous avons? Oui, je sais, la barrière. Attends, on peut manger un truc quand même. Allez, deuxième forme. Mais je sais, t'as des bras en plus. Il a activé ses bras de secours. Sois prudent. Alors, ils sont où les canons? Nous ne tiendrons pas à ce rythme-là. Ne peut-on pas aussi attaquer de loin? Je cherche, madame. Voilà, là, il y a un canon. Aïe. Hop.
Allez. 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 Allez hop. Nous y sommes presque, Lee. Restons sur nos gardes. Allez, crève. Ah, c'est bon. On l'a eu. Un petit cœur qui fait bien. Bon, il va falloir que je fasse de la cuisine, moi. Ce petit sanctuaire dissimulé comme ça, là. Histoire de rien. Bim. Allez, petit sprint, ça, ce petit sprint quoi. Ok, un petit cinématique. J'ai fait un texte sur ta tablette. Un mec qui s'énerve. Je suis le sage de l'esprit, né du noble peuple Sonao. Conformément au désir de Zelda, je te prêterai main forte. Permets-moi de me présenter. Mini. Classe. Ma fille chouette, nous nous rencontrons enfin, Link. Je te remercie. Si j'ai pu retrouver ma pierre, c'est uniquement grâce à toi et aux efforts que tu as fournis. Ce qui était prévu était que je m'éveille au moment même où tu as récupéré la tablette Prua. Je t'aurais guidé en transférant mon esprit dans ce golem. Mais le sbire du roi démon l'a corrompu, ce qui a contrarié mon plan. Cela ne t'a pas arrêté. Tu es tout de même arrivé jusqu'à moi par tes propres moyens. Ta main, Link. Sur mon doigt, Link. Moi, Mineru, sage ancestral de l'esprit, je t'offre mon pouvoir. Tiens, accepte-le, je t'en prie.
Un dernier doigt. À partir de maintenant, de la main, toi et moi sommes unis par un lien que rien ne brisera. À présent, je vais transférer mon âme à l'intérieur de ce golem. C'est sous cette forme que je combattrai avec toi. Bien, 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 bien. Je vivais dans un passé très lointain à l'époque de la fondation du royaume d'Hyrule. Pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, j'ai dû renoncer à mon corps et je ne suis plus qu'un esprit. Je m'étais endormi à l'intérieur de la tablette Prua afin de pouvoir un jour te transmettre ce que j'ai raconté. Même si le roi démon en est le véritable responsable, je ne voulais pas que notre rencontre ait lieu si tard. Je t'en prie, pardonne-moi. Bien. Bien. Passons à ce qui nous intéresse. À l'époque où je vivais, qui pour toi est un lointain passé, Zelda s'est éveillée en tant que sage du temps. Et elle est apparue devant nous. Je vais maintenant te raconter la tragédie qui frappa la terre d'Hyrule. Et comment après avoir remonté le temps, une fois qu'elle eut obtenu la pierre occulte, Zelda a pris la décision aux lourdes conséquences dans un lointain passé. Une décision qui concerne l'épée que tu portes, l'épée de légende. Et je souhaite te révéler ce qu'elle était. Il y a fort longtemps, les Sonao, descendants des dieux et détenteurs d'une immense sagesse, descendirent sur la terre. Ils apportaient avec eux les pierres occultes, déjà méritées des dieux, capables de démultiplier les pouvoirs de leurs porteurs. Mon jeune frère Raoru guida le peuple dans le respect des préceptes Sonao. Il rencontra Sonia, une jeune femme de la surface à qui il s'unit. Raoru offrit une pierre occulte à Sonia, et ensemble, ils fondèrent un royaume sur Terre. Le roi Raoru et la reine Sonia donnèrent à leur royaume le nom d'Hyrule. Aidés de leurs dévoués sujets, ils posèrent les fondations de la prospérité. Jusqu'au jour où la tragédie frappa. Un être maléfique arriva du désert. Ganondorf, le chef des Gerudo, prit la vie de Sonia et lui déroba sa pierre occulte. Grâce au pouvoir de la pierre occulte, Ganondorf se métamorphosa en roi démon. Il donna naissance à des hordes de monstres et lança un assaut sur le monde. Le royaume d'Hyrule combattit de toutes ses forces les monstres qui l'assaillaient, mais se retrouva vite submergé par les forces du mal. Pour sortir de cette situation désespérée, Raoru mit au point une stratégie. Il confia des pierres occultes à de puissants guerriers qui devinrent des sages, et ensemble, ils tentèrent de terrasser le roi démon. En supériorité numérique, Raoru et les sages avaient tous les atouts pour triompher. 56, là. Mais... le pouvoir du roi démon avait grandi à un point qui défiait l'imagination. Je fus terrassé par ces violents assauts. Nous n'avions plus aucune chance de remporter la victoire. Mais Raoru n'en avait pas terminé. On verra jamais le combat ou... résolu d'employer son dernier recours. Ton arrogance causera ta perte, Ganondorf.
comme ma magie, aurais-tu l'intention de me sceller? Voilà bien une technique digne du fourbe que tu es. Mais comment comptes-tu te sortir de cette impasse? Ne te méprends pas. J'ai toujours été conscient que je n'aurais pas d'échappatoire. Votre Majesté! Tu me lances et coule en un battement de cils pour moi. Ça ne changera rien du tout. Tu te trompes. Dans un avenir lointain, celui qui mettra fin à tes jours se présentera. Le chevalier à la lame purificatrice, Link. Retiens. Ah oui, balance-lui, là, à la fou. Retiens-le bien. Ah, pardon. Link. Intéressant. Je fais déjà une fois de l'affronter. Oh, mon chéri. Cette stratégie que l'on nomme la guerre du sceau. Nous sommes tout juste parvenus à sceller le roi démon, mais je fus gravement blessé et j'étais condamné à perdre mon enveloppe corporelle sous peu. Bien. C'est à ce moment-là que Zelda me rendit visite, une épée corrodée à la main. Oui, l'épée de légende qui a disparu de tes mains quand tu es entré dans le temple du temps. A traversé les âges pour rejoindre Zelda. Et maintenant, tu l'as récupérée à nouveau. Ah, il balance taquet de cinématique. Cette épée a donc suivi le même chemin que toi. Elle a remonté le temps jusqu'à nous. Oui. À l'époque d'où je viens, je l'ai vue de mes propres yeux. La lame s'est brisée, c'est vrai. Mais même ainsi détruite, elle a pu infliger une blessure au roi démon. Elle l'a blessée, tu dis ? Alors que nos pouvoirs combinés n'y ont pas suffi ? Dis-moi. Quelle est ton idée? Que comptes-tu faire avec cette épée? En s'abreuvant continuellement de pouvoirs sacrés, avec le temps, l'épée de légende peut renaître plus puissante encore. Je dois l'admettre. S'il est possible de la restaurer et de la renforcer, elle pourrait devenir un atout de taille contre le roi démon. Toutefois, pour qu'elle accumule une puissance capable de rivaliser avec celle de l'ennemi, un apport de pouvoir ponctuel ne suffira pas. Je ne vois pas comment contourner ce problème. Il faudrait l'inonder de pouvoir pendant des siècles, voire des millénaires. Il existe un moyen. Tu n'y penses pas? Si. Le rituel draconique, c'est la clé. Je t'ai mise en garde. C'est un rituel interdit. Tu devrais renoncer à ton humanité. Et malgré cela, tu veux toujours... Dame Minero. C'est un petit siège relax. Tu le sais. Petit cage de son. Dès que j'ai eu l'épée entre les mains, tout est devenu limpide. C'est pour elle, pour cette épée que je suis remontée à travers le temps. C'est ma mission. Je dois rendre ses forces à l'épée de légende et la rapporter à Link. Comme tu voudras. Ta décision semble irrévocable. On peut dire ce qu'on voudra, mais c'est bien l'arrogance des Sonao qui a causé ce drame. Alors moi aussi, je consacrerai le reste de ma vie à ce héros dont tu parles. J'ai foi en ton ami Link, et je le soutiendrai de mon mieux. Si mon corps ne résiste pas jusque-là, je serai avec vous par l'esprit. Ok.
Ensuite, Zelda et moi avons discuté de notre plan. Nous avons fait les préparatifs nécessaires pour te guider dans un lointain futur où tu te trouvais. Bien. Avant que le mal causé par les miasmes n'ait raison de moi, je devins un esprit et entrai dans, dans la tablette Prua. Zelda, quant à elle, effectuait le rite interdit. Elle était persuadée qu'armée de l'épée de légende, tu parviendrais à vaincre le roi démon et à ramener la paix en Hyrule. Tu as déjà récupéré l'espoir de Zelda avait laissé, la lame purificatrice, l'épée de légende. Bien. À toi, Link. Avec l'épée de l'espoir que tu nous as laissé. Non, avec l'épée de l'espoir que nous a laissé Zelda, nous vaincrons Ganondorf, le roi démon, j'en suis certain. Ok. Ok. Tu mets tu les quatre, tu es fini. Bon, on va sauvegarder. On se fait une bonne séance aujourd'hui, n'empêche. Allez, on va basculer sur la cam. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était cool. On va raider sans plus tarder. Je commence à voir ça, que je commence à voir la dalle. Qui c'est qui est en live? Bah, y a Sundar. On va faire un petit raid chez Sundar. Bien, moi, je vous fais des gros bisous. On va, hop, laissez-moi balancer le raid. Et puis, voilà, passez une bonne soirée. On se retrouve pas dimanche, on se retrouve vendredi pour le prochain live. Faut que je check, mais je vendredi. Ouais, ça devrait être ok. De toute manière, on se tient au courant de la semaine. Tiens, le stream, on balance le raid chez Sundar. Bon, je fais des gros bisous. Hop. 10 secondes. Passez une bonne nuit. Bye bye. Profitez bien du week-end. Et bisous bien en live ce week-end avec Kalmandris. Bye les copains. Ciao, ciao.